Ouais, je me suis lancé dans un chantier là, compliqué. Je sais pas si je vais y arriver. Vous avez vu ça? Bon, alors après, si ça se trouve, ça vient d'ailleurs, hein, on peut pas savoir, mais bon. Bon, allez, je ramasse. À la plage, on vous emmène à Durand. Ouais, bienvenue dans le Moyen Âge. Hein. Un Moyen Âge avec des restaurants, des souvenirs. Ouais. Pas trop filmé parce qu'il y a plein de gens, évidemment. On est dans une ville touristique. La collégiale, magnifique. Là, on est sur la place du marché, avec les halles ici. Voilà. Ah bon, vous voulez aller manger une crêpe? Ouais. Bah, on est dans le pays de la crêpe hein, en même temps. Alors, vous allez bien? Qu'est-ce qu'on fait là? On attend notre crêpe et notre grenadine. Ah. Donc on s'est arrêté manger une crêpe parce qu'il commençait à pleuvoir. C'était l'heure du goûter. Alors j'en profite pour vous montrer des petits tableaux. Là on est chez Lucien. Lucien c'est un des bars de la place principale de Guérande. Alors, qui va se régaler? Dis-moi. Ah, toi tu vas te régaler. Qu'est-ce que tu fais comme... On coupe avec les cuillères, on ne met pas. Et toi maman, t'as pris quoi? Moi chocolat. Chocolat. On va se régaler. Allez, bon appétit. Ah ouais. Bon appétit à tous. Un petit peu sombre. Nous on aime bien visiter les églises. Alors là on est à la collégiale. Oula, j'ai failli tomber. Donc on est à la collégiale de Guérande. C'est magnifique. Tous les beaux vitraux, là, superbes. Je sais pas si on les voit bien. Non, malheureusement. Voilà. Magnifique. Là, on est dans le Moyen Âge. Hein. C'est clair. Voilà, la route, ça y est. Là, il y a plein de petites boutiques d'artisanat. On essaiera d'aller voir tout à l'heure. Et la porte de ça y est, tout au fond. Et ici, on va aller voir par là. C'est vraiment superbe, ces petites maisons. Magnifique. Là, il y a une petite porte au fond. Hein. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Petite porte, et puis c'est surtout... Là, au fond, il y a la porte Bizienne. Et derrière les gens, là. Et puis, on peut se promener sur les remparts. On va essayer d'aller voir. Non, finalement, on va pas aux remparts parce qu'il se met à pleuvoir. Et donc, ça, c'est une autre petite église d'Enguerrande. Notre-Dame blanche ou quelque chose comme ça, je crois. Magnifique. Voilà les petits trucs de Guérande. Hein. Moi aussi. Ah, les parents d'un copain, ils avaient cette maison, là. Ici, là. On va pouvoir la voir. Tu es un vrai perroquet, toi. Les parents d'un abonné, même. Et je crois même que Michel est abonné à la chaîne aussi. Tu es un perroquet, toi. Voilà, place Saint-Jean, magnifique. Et puis on peut aller au rempart là-bas, on voit, attends, je fais un petit zoom. Moi, je suis un gros. Là, les remparts. Tu es un gros caca. Mais on va pas le faire, on va aller acheter du sel. Qu'est-ce que tu racontes, Jeanne, avec tes histoires de gros caca? Rien. Ah bon? C'est une mouette qui répétait tout, alors elle imaginait ce qu'elle avait vu dire. Oui. Là, c'est les rues un peu moins fréquentées de Guérande. Il y a quand même des boutiques. Voilà, rue de l'hôpital Saint-Jean. C'est sympa, Guérande. Le souci, c'est vraiment d'y habiter, parce qu'on est dans une ville moyenâgeuse. C'est vraiment chargé d'histoire ici. Le soir, il n'y a pas un bruit. C'est dur à vivre. C'est une ville super hein. Pour faire du business. Il n'y a pas de souci, quoi. Il y a quand même pas mal de boutiques. Les boutiques, elles marchent.
Mais par contre, c'est un coup à devenir fou. Est-ce que si ça tape dedans, voilà. Tu vas te mettre les dents dans la... Dans vous allez bien ici? Ça alors, va, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On va acheter du sel? On va voir les prix au moins? Ouais. Parce qu'on n'en a plus à la maison. Du gros sel, chez les Bretons, c'est quand même important. Le diable est à Guérande. Petite boutique de bonbons. On peut voir l'empreinte bretonne à Guérande. Le Guérande se dit Gwenran en breton. Puis on trouve toujours des produits régionaux. Hein, voilà. Voilà pour les gens qui aiment le beurre, on peut manger du kouign chaud. C'est un petit kouign amann. Autant dire que c'est que du beurre salé. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Faut que je filme quelque chose? Alors qu'est-ce qui se passe? Montre-moi. Bah. Bonjour les internautes. Bonjour les internautes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah, il y a des travaux. Donc la porte Saint-Michel a été construite au 15e siècle, hein, donc en 1400 et quelques. Anne de Bretagne est venue se réfugier ici, à Guérande. Je ne sais plus pourquoi, à regarder sur Wikipédia. Hein. Je mettrai dans la description tous les liens, comme d'habitude, tous les liens concernant ce qu'on visite. Alors par contre, pour les camping-cars, Guérande, c'est un peu galère. Je crois que l'aire de camping-car, il est sur la route de la Turballe, c'est-à-dire là-bas. Là-bas. Et c'est un peu loin du centre-ville, donc vaut mieux avoir des vélos. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, on va vous emmener dans les marais. Allez, c'est parti. Nous voilà au parc des Dryades à La Boule. Mais j'ai perdu ma famille. Ils sont là les jeux, hein. Vous êtes où? Ah bah t'es là Jeanne. On peut y aller aussi par là, hein. Ouais. Pas mal ce parc, hein. Bah bravo. On emmène les enfants au jeu et c'est les adultes qui s'amusent. Et bah c'est bien. Vive La Boule. Ça va, Jeanne? Oui. Et simplement, ça va bien. Et qu'est-ce qu'elle fait? L'ingénieur Clément. Ah oui,